Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que vous connaissez sûrement déjà, les nuances. On se souvient qu'il existe de nombreuses nuances en musique qui nous aident à rendre les œuvres musicales plus vivantes et qui nous aident aussi à faire vivre des émotions aux personnes qui les écoutent. Ce qu'il faut savoir, c'est que des nuances en musique, il en existe plein. Et oui! Ce sont tous des nuances, et ce sont elles qui nous aident à définir l'intensité de la musique. Et pour savoir comment bien les utiliser lorsque l'on fait une création musicale ou lorsque l'on joue une pièce à notre instrument, il faut tout d'abord savoir les reconnaître. Premièrement, je vais commencer par vous faire un petit rappel concernant deux nuances importantes à retenir. Ce sont les nuances douces et fortes, ou piano et forte, en utilisant les bons termes italiens. Donc la première, que l'on appelle la nuance piano, vu que l'on joue de façon douce. On peut la reconnaître dans une partition par ce symbole juste ici, donc un petit P. Par la suite, la deuxième dont nous avons parlé est la nuance forte, qui veut que l'on joue de façon forte. Donc, comme vous pouvez voir, son symbole est un petit F. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, il existe donc plusieurs autres nuances que l'on retrouve très souvent dans la musique. Celles qui nous intéressent et dont je veux vous parler aujourd'hui sont un peu différentes et ont chacune une fonction bien précise. Donc, cette nuance qui s'appelle le crescendo est particulière, car elle nous indique qu'il faut augmenter de plus en plus l'intensité dans la musique. Écoutez bien cet extrait musical. Vous verrez que la musique débute avec une nuance piano et augmente tranquillement vers la nuance forte. Il y a donc un crescendo dans cette musique. Vous pouvez donc entendre de façon très claire que l'intensité de la musique augmente graduellement dans cet extrait de la 7e symphonie de Beethoven. Passons maintenant à la nuance suivante. Le décrescendo est une nuance qui est à l'opposé du crescendo, ce qui veut dire que l'on doit diminuer de plus en plus le son et l'intensité de la musique dans notre pièce. Lorsque l'on aperçoit ce symbole dans une partition, le compositeur veut donc que l'on diminue tranquillement l'intensité. Écoute bien ce deuxième extrait de la symphonie numéro 4 de Bruckner pour bien comprendre le décrescendo. Voilà, tu es en train de devenir un expert des nuances toi aussi, car tu sais maintenant reconnaître la nuance piano, forte, crescendo et même décrescendo. Je te donne maintenant un petit défi. La prochaine fois que tu joueras d'un instrument de musique, essaie de voir si toi aussi tu es capable de faire des nuances avec ton instrument.